Originalité de la vie, vendredi 1er avril 2011, organisée en partenariat avec l'École normale supérieure, la Fondation pour la science, l'AIM, le Centre Cavaillès, le CIRFLES, le CEA et Innovaxium. Bonjour à tous, je suis Laurence Honorat, je dirige Innovaxium, une société de conseil entièrement dédiée aux sciences et aux technologies. À mon tour, je vous remercie vivement d'être venus aussi nombreux aujourd'hui assister à cette première édition du colloque Originalité de la vie. Ça n'est pas moins de 14 intervenants que nous allons accueillir ici aujourd'hui et je les remercie d'ores et déjà pour leur travail préparatoire. Je vais citer parmi eux Monsieur Charles Auffray. Monsieur Charles Auffray, qui est biochimiste au CNRS de Villejuif. Monsieur André Braque, qui est astrobiologiste au CNRS d'Orléans. Monsieur Vincent Bontemps, qui est philosophe au CEA Saclay. Monsieur Andrea Cavazzini, qui est philosophe à l'Université de Toulouse de Le Mirail. Monsieur Patrick Forter, qui est microbiologiste à l'Institut Pasteur. Madame Muriel Gargaud, qui est astrobiologiste à l'Observatoire Aquitain des sciences de l'univers. Monsieur Mathieu Gounel, qui est astrophysicien au Muséum national d'histoire naturelle. Monsieur Alexei Greenbaum, philosophe et physicien au CEA Saclay. Monsieur Étienne Klein, physicien au CEA Saclay. Monsieur Vincent Minier, astrophysicien au CEA Saclay. Monsieur Roland Lehoucq, astrophysicien au CEA Saclay. Monsieur Michel Morange, biologiste à l'École normale supérieure. Monsieur Laurent Naon, physicien au synchrotron Soleil. Et enfin, Monsieur Laurent Nautal, qui lui est astrophysicien à l'Observatoire de Paris-Meudon. Nous avons prévu des interventions de 20 minutes qui chacune seront suivies de 5 minutes de pause pendant lesquelles vous pourrez poser vos questions. Sachez que nous aurons une pause à 11 heures. Cette pause durera 20 minutes et pas plus. Et vous disposerez d'une heure et demie pour déjeuner entre 12h30, me semble-t-il, et 14 heures. Toutes les interventions d'aujourd'hui seront filmées. Et vous pourrez les retrouver avec bonheur, j'espère, sur le site internet, entre autres, hein, d'Innovaxium, où vous pourrez également télécharger les dossiers de presse. Monsieur Vincent Minier, qui est ici présent, sera notre chairman toute la matinée. Et cette même fonction sera assurée par Monsieur Vincent Bontemps, assis ici à côté de lui. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous remercie vivement pour votre attention. Je vous souhaite un excellent colloque et je passe la parole tout de suite à Vincent Minier. Innovaxium, parce que vous ne grandirez jamais autant qu'en innovant.